Qu'est-ce qui t'arrive, moi? T'es tout pas l'eau. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il y a une fille qui est tombée. Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, moi? Tu n'as qu'à penser à demander mon épée, c'est bien ça? Ouais, je veux ton épée, surtout. Allez, Barbe Blanche, entraîne-moi. Que je puisse sauver Ace. Même si... Ouais, attention, spoil de One Piece. Même si tu l'as pas sauvé. Mais hein, commençons par l'attaque horizontale. Quoi? On refait la même chose? Ok, bon bah... deux fois la même chose que vous verrez. Attaque horizontale. Cette fois, je vais pas me fail, le vieux. Je vais te transpercer. Je vais te découper. Quand même, il part tout avec un bâton en bois. Hop, hop, hop. Ça le gêne si on casse la poterie. Maintenant, l'attaque circulaire. Non, c'est un fail. Et hop là! C'est ça, encore. Non, mais j'essaie de tourner le joystick, mais ça ne va pas. Hop! Hop! L'attaque spéciale. Ouh, l'attaque spéciale, c'est réellement celle... la spéciale. Regardez. Hop! Voilà! En fait, quand A devient un peu agité, appuyez sur A et... et voilà! Le saut! Yeah! Loupé! Attention! Ah, le recul! Belle attaque! Je sens une grande vigueur dans ta lame, mais je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que tu sauras faire un bon usage. Allez, prends-la, moi! Vous recevez l'épée du héros. Ah, bah, carrément, c'est l'épée que le héros avait. Utilisez-la avec sagesse par respect pour le vieil homme qui vous a transmis son savoir. Ok. On dit que cette épée repousse mal. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, moi. Oui, Sensei. Alors, je sais pas si vous avez vu. Petite lance. Moyenne lance. Grande lance. Lance géante. Cette lance... et non, il a beaucoup de lance, hein, le vieux. Vous imaginez la taille du bestiau pour une telle mâchoire? Bon bah on va y aller. On va ranger l'épée. Alors, est-ce qu'on coupe les herbes? Quand même, je suis pas vraiment un très bon héros, hein. Je veux dire, la fille, elle s'est perdue dans la forêt, je devrais m'y précipiter. Mais moi, au lieu de ça, moi, je coupe des herbes. Voilà. Heureusement que le héros, il est pas comme ça, hein. Parce que vous imaginez, c'est unique, au lieu de sauver la princesse, il coupait les herbes tranquillement, sans se soucier de la princesse, ni Ganondorf. Non, c'est plus comme ça. Voilà! Déjà plus accueillant. Bon, le rubis il est apparu, mais je vais pas le prendre. Je suis pas radin quand même, hein. Je suis pas comme Picsou. Quoique. Ah, peut-être que si je suis radin. Peut-être. Alors. Voilà. On s'en fiche du panneau. Après tout, nous. La loi, c'est nous. Ou c'est bois. Moi, enfin bon, vous avez compris. Hein. Hop. Encore le bruit de la manette, hein, évidemment, ça change pas. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je pense que vous avez reconnu l'endroit, hein. C'est l'endroit de la de l'écran titre. C'est là où Link observe l'île de l'Aurore. On a une belle vue quand même, hein. Allez, c'est parti. Je voudrais bien quand même que dans cette vidéo, on affronte les monstres. Au pire, je prolongerai l'épisode, hein, un petit peu. Voilà, alors vite, on va faire vite.
la fille. Ça va être une pirate. Elle a un sabre. Bon, on va arrêter de couper les herbes. Allez. Bon, à partir de maintenant, je vais réellement foncer dans le jeu. Je vais pas perdre mon temps et tout. Allez. Oh, le tout premier ennemi du jeu. J'ai pas envie de l'affronter. Je sais, je suis un gros lâche. Voilà, c'est juste pour prendre ça. Ah, il nous a repéré. Allez, viens te battre. Yeah. Alors lui, c'est un gobelin. C'est un monstre basique. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Quand même. Qu'est-ce que c'était dur. Oh là là, quel combat épique. Est-ce fontaine des fées? On raconte qu'un jour, le héros légendaire serait venu se reposer auprès de cette fontaine après un combat. Une fée en serait sortie et elle aurait soulagé ses douleurs. La fée aurait offert à un jeune homme une destinée fructueuse. C'est pourquoi cet endroit est également appelé fontaine de la déesse fructueuse. Bah oui, mais si elle s'est asséchée, c'est parce qu'il y a une grosse pierre. Alors, la voilà, la fille. Go! On y va! Oh. Les Angry Birds, avec des gobelins. Et des renforts! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content de me voir? Alors venez, je vous attends. Bah lui, il est déjà mort. Et hop. Et hop. Et hop. Et voilà. Bon, c'est assez facile au début, je dois vous reconnaître. Ça y est, t'es réveillé? Prévisible. T'inquiète, chérie, je suis venu te sauver. Oui, je sais, ma tenue n'est pas très classe. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et où sommes-nous? Ah, je me souviens, ce gros oiseau. Ah, le pirate. Voici la meilleure danse de l'année 2014. Ouais, bon, ok. Dieu merci, ça n'est sauvé une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. C'est un peu de ta faute, mec, si elle est tombée en même temps. Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne. Sympa, sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Allons-y, je connais quelqu'un à qui je vais chercher en elle. Mais dis, tétra, c'est qui ce gamin? T'inquiète, allez, dépêchons-nous. Allez, dépêche. Rejoins la fille. Bon bah ça va, on s'est plutôt bien débrouillé, sauvetage réussi. Ah. Oui, je suis la sœurette, c'est bon, c'était juste des petits gobelins, rien du tout. Ah là là, quelle scène quand même, hein, frère et sœur qui se tiennent, et tout. Enfin bon, après je... What? Attends, il va pas faire ce qu'il va faire. Cours, sœurette, cours, fuis. Ah, trop tard. Oh, mais c'est vraiment un... Alors toi, l'oiseau, tu vas finir dans un match. Alors, vas-y, Link, fais le saut. Et fail. J'adore parce qu'on dirait qu'il s'est propulsé hyper loin, mais il vient juste de trébucher, en fait. Bon, bah... L'oiseau, il s'est barré. Ça devait être la meilleure journée de sa vie, ça se fut finalement la pire. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais t'en marquer un coup? Ah bah ouais, hein, faut que je sauve ma soeur, hein, mais je sais pas nager, moi. Nous sommes des pirates, quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous, hein? Tu peux me le dire. Si je suis fan de One Piece, ça compte. Et puis ton histoire ne regarde pas. Ouais, bon, ils sont pas fans de One Piece, eux. Bon, le facteur. Oh, qu'est-ce que toi là, t'as pas demandé ton ami, d'accord? J'adore parce que le facteur il leur fait la morale, il regarde d'un air. C'est ce qu'il dit. Je pense simplement que si on n'était pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis quoi encore? Bon, écoutez, je suis facteur moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées. Pas vous? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont comme toi, damoiselle, de grandes oreilles. Cet oiseau est friand d'oreilles. Je suppose qu'un petit fille qui vient se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi.
Ah bah oui, hein, là tu culpabilises. De plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres? C'est moi et pas Link, c'est moi. C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Ça devient de plus en plus accueillant, hein. Une forteresse maudite? La forteresse maudite? Alors, que comptez-vous faire? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à moi. Si. Même pas au petit gamin, à moi, le facteur. Nous avons l'intention de l'aider. Alors, on entend dire que les choses les plus inquiétantes sont la forteresse maudite. Tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pour cela, mais c'était péridicule. Bah, je me suis bien débrouillé, non? Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger, un bouclier par exemple. Reviens sur la plage quand on aura trouvé un, je te laisserai monter en un navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de sitôt, alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. Bon bah, merci facteur de m'avoir défendu, hein. Sympa sa part. Comme quoi, les facteurs sont les plus gentilles personnes de la Terre. Bon, eh ben on va cesser ici, hein. Après le kidnapping de la sœur, et dans le prochain épisode, nous allons chercher le bouclier, nous allons embarquer avec les pirates, et on va aller dans cette fameuse forteresse maudite. Ciao tout le monde, à bientôt!